Cette formation a été initiée par la clinique juridique de Guiglo afin de permettre aux autorités administratives, maillon essentiel dans la gestion des conflits dans les régions, d'être suffisamment outillés en matière juridique. On prit part à la formation les magistrats de la section de Guiglo, les commandants de brigade et leurs adjoints, ainsi que les officiers de police des régions du Guémont et du Cavali. Conférencier Georges Dessali, juge d'instruction à Saint-Fra. Nous leur avons indiqué qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'insécurité en matière foncière. Cela est dû au fait que la loi du 23 décembre 1998 est diversement interprétée par les tribunaux. De sorte que devant une jurisprudence qui est vacillante, les populations se trouvent livrées à elles-mêmes. Et donc nous leur avons dit qu'il fallait qu'ils puissent avoir accès aux différentes décisions de justice et qu'eux aussi, en amont, dans le règlement des conflits fonciers, surtout en matière rurale, qu'ils soient toujours dispensateurs de paix. La clinique juridique de Guiglo est installée depuis le 6 mai dernier. Cela grâce au projet d'appui à l'amélioration de l'accès au droit et à la justice, avec l'appui technique et financier de l'Union européenne, le PNUD, l'ONUCI et l'UNICEF. L'installation des cliniques juridiques dans les régions permet aux populations qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à des services juridiques gratuits.